Que c'est la voix, que c'est la voix. Aujourd'hui, on apprend le morceau le plus facile de Bruel. Que c'est la voix. Donc le morceau est totalement abordable, même si tu débutes la guitare. Tu peux jouer le morceau en entier avec 4 accords de guitare et un rythme relativement abordable. Juste avant de commencer, tu peux télécharger gratuitement le livret 7 morceaux pour bien débuter la guitare. C'est juste en lien dans la description. Avant de voir comment réussir le morceau pas à pas et notamment savoir comment jouer chacun des accords du morceau, je te propose qu'on voit la vue d'ensemble. Tu peux jouer le morceau en entier avec 4 accords de guitare, le Do, le Sol, le Ré mineur, le Fa. En fait, on va utiliser exactement les mêmes accords que pour le morceau Knocking on Heaven's Door qui vient de ça. Knock, knock, knocking on heaven's door. D'ailleurs, tu peux apprendre ce morceau pas à pas dans la formation L'accompagnement clairement. Alors pour jouer le morceau, c'est très simple. On va jouer une mesure de Do, une mesure de Sol, une mesure de Ré mineur, une mesure de Fa. Et pour le rythme, on va jouer ça. Ba, 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 o, 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 ba, o, ba, o. Et on va faire ça pour chacun des accords. Donc c'est des rythmes de niveau intermédiaire, donc ça reste abordable. Mais si t'es pas à l'aise, mieux vaut commencer par un rythme plus simple, par exemple le rythme feu de camp. Ba, ba, o, o, ba, o, ba. Pour jouer les accords, donc pour le Do, on va utiliser annulaire en 5e corde, case 3, 5e corde en partant des aigus, majeur, 4e corde, case 2, index, 2e corde, case 1. Ensuite, on va jouer le Sol. C'est annulaire en 6e corde, case 3, donc c'est la grosse corde. Ensuite, petit doigt en 1ère corde, case 3, et majeur en 5e corde, case 2. Ensuite, on va jouer le Ré mineur. On va prendre notre majeur, on va le poser en 3e corde, case 2, annulaire, 2e corde, case 3, index, 1ère corde, case 1. Et on va finir sur le Fa. C'est annulaire en 4e corde, case 3, majeur, 3e corde, case 2, index, 2e corde, case 1. Donc là, c'est le Fa majeur 7. Si tu veux encore plus coller à l'original, l'idée, c'est avec ton index de bloquer la petite corde. Et là, ça donnera un Fa standard. Et pour le Ré mineur et le Fa, l'idée c'est de gratter les 4 cordes aiguës et pas gratter les grosses cordes. Je te fais une petite version en accéléré pour que tu vois ce que ça donne. Que c'est la voix, que c'est la voix, que c'est la voix, que c'est la voix. J'ai une voix beaucoup plus grave que Bruel, donc j'ai beaucoup plus de mal à aller dans les aigus, mais au final, on fait avec la voix qu'on a. C'est un morceau qui est totalement abordable, mais si t'es pas encore à l'aise avec les accords de base, et notamment pour réussir à les enchaîner de manière fluide, ce qui est totalement compréhensible au début, vu que c'est un gros challenge d'apprendre la guitare, je t'invite à suivre notre formation L'accompagnement clé en main. On apprend ensemble les accords essentiels à la guitare, à partir desquels on peut jouer n'importe quel accord, et en plus de ça, on apprend à jouer de manière fluide, à réussir les différentes rythmiques, les rythmiques les plus simples, mais aussi la rythmique intermédiaire, comme celle de ce morceau-là. De t'amuser, et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. T'as vu la vidéo jusqu'au bout? Bah, je te félicite et je t'invite à me le dire en écrivant en commentaire. Super vidéo!